Bonjour les amis, alors là je vous préviens, la prochaine association dite antiraciste qui me fait un procès pour islamophobie, le prochain juge qui me condamne pour ça, je viens avec cette vidéo et là je leur mets le nez dans le caca. Islamophobe moi, alors que dans cette vidéo, tout au long de mon texte, je vais rendre un hommage appuyé à mes copains, les ayatollahs, les mollahs d'Iran. Alors je sais, mes potes juifs, ils vont pas être contents, parce que l'Iran et Israël, c'est pas terrible, les Israéliens, ils disent que les Iraniens, oui, ils préparent une bombe atomique, qu'ils veulent détruire Israël, ce qu'ont dit certains ayatollahs, que c'est le pire ennemi. Bon, en plus, c'est compliqué, parce que moi, j'aime bien les Russes, et les Iraniens, ils sont maqués avec les Russes, les Saoudiens sont maqués avec les Américains, mais tout ça, ça se trahit. Bon, tout ça pour dire, mais mes copains juifs, ils vont pas être contents, mais ça fait rien. Mes copines féministes, elles vont pas être contentes non plus. Elles vont dire, attendez, en Iran, toutes les femmes, elles sont voilées maintenant, depuis qu'il y a l'ayatollah. Certes, mes amis, mes camarades de gauche, je vous rappelle, qui c'est qui a mis en place l'ayatollah? Qui c'est qui a aidé les religieux à foutre en l'air le chat? C'est pas un petit peu la gauche? C'est pas un petit peu vous, les louloutes, là? Ah, c'est vrai que maintenant, les ayatollahs, ils se comportent comme des ayatollahs. Ils voilent les femmes, ils ont une police politique, ils ont une police religieuse. La femme qui retire son voile, c'est pas une bonne idée, là-bas, hein, dérouille lourd. Alors qu'en France, les féministes, elles défendent le voile, vous voyez, et elles défendent les iraniennes qui veulent retirer le voile, mais elles défendent le droit pour les musulmanes de porter le voile en France. Oula, c'est compliqué, la politique, hein. Et donc, moi, je rends hommage aux ayatollahs, parce que c'est des cadors, les ayatollahs. Pour les charlots, sur l'immigration, hein, sur l'immigration, c'est des cadors. Alors, pas les charlots comme en France, là, où on n'est même pas capable, on vire 7% d'expulsés, ce qu'on appelle les OQTF, on prend 500 000 nouveaux venus par an, dès que vous voulez en virer un, il y a les juges, les associations qui s'y mettent, et finalement, le mec, il est jamais viré, il en arrive toujours plus, ça fait augmenter la délinquance, ça fait monter les viols, il paraît, il faut pas le dire, hein, les statistiques ethniques, c'est interdit, il paraît, mais enfin bon, faut avoir des pots de saucisson sur les yeux pour pas s'en rendre compte, quoi. Donc, nous, en France, on est des charlots à côté. Regardez, même les casques à pointe, les Allemands, là, alors eux, il y a en 2015, Merkel, avec la complicité d'Hollande, elle en faisait arriver 1 million, puis depuis, ça a été le déferlement, puis maintenant, les totons, ils se rendent compte que c'est plus compliqué, il y a l'AFD qui monte un peu aussi, donc ils ont décidé de rétablir les contrôles aux frontières pour 6 mois. Alors quand c'est Orban, quand c'est tout ça, eux, ils n'ont pas le droit, mais les totons dans l'Europe, c'est les patrons, c'est les rois, eux, ils font ce qu'ils veulent, personne leur dit rien, c'est eux qui crachent un peu en plus, donc eux, c'est les rois du pétrole. Donc les totons, ils vont surveiller leurs frontières. Ouais, je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Les roast beef, eux, ils avaient essayé autre chose. Les roast beef, ils avaient négocié avec le Kenya pour que le Kenya reprenne leurs immigrés et tout. Ils avaient effilé du fric, le Kenya traitait. Et puis, ces couillons, ils ont voté pour les travaillistes. Et maintenant, les travaillistes, bah, c'est fini. C'est l'invasion à tout va. Ça, les mecs, il fallait pas voter à gauche. Hein. Puis, il y en a d'autres qui sont pas mal aussi, c'est les Suédois. Alors, les Suédois, eux, ils veulent filer 30 000 euros à tous les immigrés pour qu'ils se borrent. Comme si les mecs, une fois qu'ils vont prendre les 30 000 euros, ils vont pas revenir, mais bon, 30 000 euros quand même, je sais pas si vous voyez, les mecs, une fois qu'ils retournent dans leur pays, 30 000 euros, très franchement, c'est pas mal, mais enfin, 30 000 euros, vous rendez compte, tout ce qu'on pourrait faire avec 30 000 euros pour les Suédois, alors que les ayatollahs, eux, ils s'emmerdent pas, ils sont même meilleurs, les ayatollahs, meilleurs que les Pakistanais, parce que les ayatollahs, ils sont avec l'Afghanistan, eux, ils sont à l'ouest, et les Pakis, ils sont à l'est. Mais d'un côté comme de l'autre, ils veulent plus d'Afghans chez eux. Donc, les Pakis, ils en ont viré 1 700 000 en 2023. C'est pas mal, quand même, hein. C'est pas des charlots, les mecs. Mais les Iraniens, ils ont décidé de faire mieux. Les Iraniens, 2 millions dans les 6 mois qui vont suivre, allez hop, raus, et ils vont faire un mur de 900 km de long, le tout au long de la frontière avec l'Afghanistan, et de 4 mètres de haut. Et on va rien leur dire, hein, alors que
je sais pas si vous vous rappelez, quand les Israéliens, ils ont fait un mur avec la Judée-Samarie, que tout le monde appelle la Cisjordanie, oh là 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 là, c'était les heures les plus sombres de notre histoire, les murs, c'était le mur de Berlin, c'était la dictature, c'était des mauvais messages. En attendant, ils ont eu beaucoup moins d'attentats mortels depuis, mais ça, personne ne le disait. Puis quand Trump, il a voulu faire un mur à la frontière mexicaine, oh là là, c'était le nazisme qui revenait, c'était le fascisme, le racisme, c'était tout ça. Alors que les ayatollahs, ils emmerdent tout le monde, eux, ils vont faire leur mur, et personne va les embêter. Et vous savez, c'est quoi le plus beau de l'histoire? Donc apparemment, personne veut des Afghans. Hein. Les Afghans, les Pakis, ils en veulent plus, à mon avis, pour des raisons un tout petit peu religieuses aussi. Hein, c'est que les Iraniens, c'est des chiites, et il y a 80% de sunnites chez les Afghans, seulement 20% de chiites. Donc à mon avis, ça doit les agacer un peu, et puis, bon, je pense que les Afghans, ils foutent le bordel partout où ils vont, quoi. Donc, en gros, ils en veulent plus, ils en ont plus besoin, c'est pas utile, allez hop, ils leur foutent chez eux, et puis c'est tout. Pas d'associations qui font chier, pas de juges qui pinaillent et tout, c'est Raoult, le politique a décidé de les virer, les mecs sont jetés, puis on n'en parle plus, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis surtout, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, parce que nous, en Europe, on va les prendre, c'est les droits de l'homme, c'est les valeurs de l'Europe, et puis les féministes, regardez par exemple Sandrine Rousseau, Najat Vallaud-Belkacem, elles nous ont dit qu'il fallait qu'on prenne les Afghans, les hommes comme les femmes. Sandrine, elle disait que les hommes, comme ça, on pourra mieux les surveiller. C'est un stratège de génie, Sandrine. Et puis Najat a dit qu'il faut accueillir toutes les femmes. Alors, voilées, tout ça, 15 gosses, ça fait rien. La France, elle a les moyens de les accueillir. Donc, je vous le dis, mes copains, les ayatollahs, c'est vraiment des cadors. Ils vont se débarrasser de tous leurs Afghans et qu'est-ce qu'ils vont se fendre la gueule quand ils veulent voir que c'est tous les mécréants en Europe qui vont se les prendre dans la tranche. Ils sont malins, mes copains, les ayatollahs. Bonne journée, les amis!